Oui, Shalom, je suis revenu encore de nouveau. Je me demande la question que je vous ai posée. Est-ce que vous prêchez pour plaire aux hommes ou bien vous prêchez pour plaire à Dieu? Parce que c'est ça l'erreur aujourd'hui de l'Église. Et nous aimons dire ce que les gens aiment. Mais ça, ce n'est pas la parole de l'Éternel des armées. Vous ne pouvez pas prêcher et c'est ce que ce que les gens vont aimer que vous allez prêcher. Mais où est l'Esprit de Dieu? Parce que là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mais tout est matériel. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au lieu d'invoquer la puissance des puissances, Saint-Esprit de Dieu. L'Église est en train de perdre son drapeau. Mais ce n'est pas l'Église spirituelle, mais l'Église physique. Parce que l'Église spirituelle ne peut jamais perdre son drapeau. Mais physique, oui. Je parle des mondes matériels. Vous amusez avec Dieu. Vous prenez Dieu comme si qu'il est votre égal. Beaucoup de personnes sont devenues des milliardaires à cause de ce nom. Beaucoup de personnes sont devenues des millionnaires à cause de ce nom. Bravo, tout ça c'est bon. Mais tout simplement ce que j'ai à dire, ces millions que tu as, il faudrait que ce soit réellement la parole saine. C'est tout. Nous sommes tous, on nous a tous appelés, mais nous n'avons pas le même niveau. C'est ce que vous allez comprendre. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque vous avez reçu un peu de puissance, vous voyez que je suis, non. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous pouvons être sur le même étage, mais pas le même niveau. La spiritualité, c'est l'étape à étape. Regardez d'abord Melchizedek. Regardez Abraham. C'est la foi qui contemple la gloire de Dieu. Et non la mentalité. Et non la matérielle. La Bible déclare qu'au moment dont Abraham a perçu Melchizedek, il sut en même temps que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Que c'est un homme de Dieu. Et ceci l'a poussé à donner sa dîme. Et Melchizedek l'a béni. Le pain et le vin, vous savez, c'était le sang et le corps de Christ. N'attendez pas forcément que c'est votre pasteur, c'est ton pasteur qui viendra te bénir forcément. Dieu pouvait choisir une autre personne qui est tellement loin, 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 loin de ton église, qui viendra te bénir. C'est ce que vous avez oublié. Mais que je dis, il sortait du nulle part. Mais il doit prononcer deux, trois mots sur la vie d'Abraham. Il dit, le Dieu très haut que tu sais m'a envoyé. Avant que vous ne veniez à une étape dans le monde spirituel, il faudrait effectuer certains sacrifices pour arriver à une étape. Et ces sacrifices, parfois, chez nous, aujourd'hui, chrétiens ou musulmans, c'est la foi. La foi en acceptant celui qui nous a appelés, en acceptant tout son œuvre. La foi en chaque acte, en chaque action. C'est ce qui a fait que Abraham est devenu le père de la foi. Parce que
Abraham est le maître spirituel de tout le monde dans le monde. Abraham n'a pas le temps de prier. Nous n'avons pas vu que Abraham priait, mais Dieu l'appelle. Parce que Abraham a déjà ce qu'on appelle la prière en lui. Il a déjà l'empreinte de la prière dans son corps, dans son esprit. Quels sont les sacrifices que Dieu a dû réaliser avec Abraham? Dieu a effectué beaucoup de sacrifices avec Abraham. Et le plus dernier sacrifice, vous le savez bien, parce que c'était l'humanité qui devait être confiée à Abraham. Maintenant, il faudrait un grand sacrifice redoutable. Et ce sacrifice, c'était son fils. C'était son fils. Donner quelque chose qui est cher à tes yeux et ne pas poser la question à celui dont tu donnes. Abraham a agi ainsi jusqu'à la dernière minute. Dieu y pourvoira. Lorsque Dieu vous demande quelque chose aujourd'hui, ne dis pas que c'est vous qui veut le faire. Non, il pourvoira lui-même. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes dans l'église. Et si vous voyez que c'est vous qui avez aidé ce prêtre, puis on l'a donné de l'ordination, vous commencez pas à attirer ce prêtre dans vos péchés. Vous l'obligez à bénir ce qui ne doit pas bénir. Vous voyez un peu ce que vous faites. Si un homme de Dieu ne va pas trébucher, cela dépendra des fidèles. Dernier sacrifice d'Abraham, Abraham a accepté la volonté de Dieu. C'est la foi. Du fait qu'il a déjà accepté, il a déjà offert ce sacrifice. Et ce qui lui a coûté définitivement les générations et les générations. Chaque être humain, nous avons besoin de ce sacrifice-là. À faire chaque fois. Mais n'oublie pas, chers amis, mon frère, mes soeurs, que ce n'est pas possible de suivre Dieu qu'il n'aura pas de souffrance. Par exemple, dans le livre de Tobie, dans le livre de Tobie, vous voyez, Tobie était un bienfaiteur. Il faisait tellement du bien. Mais un jour, l'oiseau l'a chié sur les yeux. Il a fait aveuglement pendant 40 ans. Mais il n'a pas rejeté Dieu. L'archange Raphaël est venu lui ouvrir les yeux. Comprenez la grandeur de Dieu qui est sur vous. Et lorsque vous confiez à Dieu, la victoire est assurée. Berger Raphaël, votre foi le bénit. Paix dans le cœur. +229 95 26 42 46.